Bonjour et bienvenue à la quatrième semaine du projet Souvenir d'été. C'est Mireille qui est avec vous pour la boutique Scrapbook Tendance. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir la semaine dernière à travailler les techniques qu'on a réalisées avec les acryliques, les glacis acryliques, pardon, Silks. Donc, on avait fait plusieurs techniques sur ma page de camping et tout ça. Cette semaine, on poursuit avec un autre produit. Bien, relativement assez connu, donc c'est les vaporisateurs. Cette semaine, on va travailler avec les Mr. Huey's plus particulièrement. Il y en a d'autres compagnies qui en font, chacune avec leur petite particularité, donc on va se concentrer sur celle-là cette semaine. Encore une fois, on va faire deux pages face à face. Donc, on va avoir une technique ici avec un resist qu'on va faire à partir de poudre embossée. On va avoir ici un fond dégradé avec diverses petites techniques dessus. On va venir colorer notre papier vélin et on va faire un autre résist cette fois-ci avec nos autocollants de lettres. Encore une fois, je vous l'ai dit, les utiliser à leur maximum. Donc, on les réutilise cette fois-ci. Puis ici aussi, j'ai aussi utilisé les Mr. Huey's sur mon 5. Donc, je mets ça de côté. Deux instants pour vous montrer le matériel dont on va avoir besoin cette semaine. Je vais rapprocher mon image légèrement. Pardon. Alors, nous allons avoir besoin, bien évidemment, de nos vaporisateurs. Donc, j'en profite pour vous en parler. Ce sont des vaporisateurs à base d'eau qui ne contiennent pas de pigments iridescents ou de poudre de mica. C'est vraiment juste un liquide coloré, mais très, très, très pigmenté, vous allez voir. Donc, différentes couleurs à votre choix. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier brouillon avec pas de couleur dessus parce qu'on va utiliser une technique avec de l'eau. Donc, s'il y a de la couleur, ça pourrait déteindre sur notre projet. Ensuite, cette semaine, on va travailler beaucoup avec le carton basil. Parce que je me suis rendu compte avec les différents essais que j'ai faits que pour les aquarelles, le papier aquarelle fonctionne bien lorsqu'on mélange le vaporisateur avec de l'eau, mais lorsqu'on l'utilise non dilué, il n'absorbe pas vraiment très bien dans le papier. Donc, ça prend énormément de temps à sécher, c'est pas intéressant. Donc, je vous conseille le papier basil. Alors, comme je mentionnais aussi, bien, on va avoir besoin du carton, du papier aquarelle, encore une fois, le même que j'utilise depuis le début, donc le Strathmore. Nos autocollants de lettres, du papier vélin, ensuite de l'adhésif bien sûr, différentes grosseurs de pinceaux pour les aquarelles, donc toujours des plus gros pour faire les fonds, les gouttelettes, des plus petits pour faire les détails, mon vaporisateur bien sûr, un pot avec de l'eau, on va avoir besoin aussi d'un stencil, moi ici j'ai choisi un avec plutôt des petits motifs. Bien sûr, notre fer à chauffer, notre pistolet chauffant, mes lingettes bleues, comme d'habitude. Ah oui, ça va nous prendre également de l'encre de style Versamark, donc une encre soit la Versamark ou avec des pigments, ainsi que des poudres à embosser, soit la blanche, soit la transparente. Donc, ça fait pas mal le tour. On va commencer avec la première technique. Donc, je vais prendre un petit carton. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Ici, on voit vraiment qu'il y a un motif d'étoile dedans. Donc, c'est brillant. Ça, c'est ma poudre à embosser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser comme résist. Donc, c'est tout simple. On prend un carton et on va venir vaporiser une première couche. Ça, c'est si vous faites avec la poudre à embosser transparente. Si vous faites avec la poudre en bas, celle blanche, vous n'avez pas besoin parce qu'on ne verra pas de toute façon la couleur qui est en dessous. Donc, si on commence, on vient vaporiser une couleur qui est plus pâle directement sur le carton. Comme vous voyez, ça absorbe très, très, très rapidement la couleur. Alors que si je vous fais une petite démonstration vite fait sur un petit carton aquarelle, vous voyez, la couleur, elle perle dessus et ça peut rester comme ça. Je l'ai laissé sécher jusqu'à une demi-heure. Il y a des endroits que c'était pas sec. Donc, je trouvais ça moins intéressant. Fait que c'est pour ça qu'on va le faire avec le papier basil. Donc, j'essuie. Fait que ça, c'est tout simplement la première couche.
Et ensuite, ce qu'on va venir faire, ben là, je ne vous le montrerai pas parce que tout le monde, je pense, sait un peu comment faire. Je suis venue embosser ici en utilisant un stencil. Donc, dans le fond, juste rapidement, au lieu d'étamper avec mon encre, j'aurais pu étamper aussi. Moi, je voulais utiliser le stencil que j'avais. Donc, on met le stencil et on vient simplement écraser l'encre à travers le stencil. Pas trop fort pour pas que l'encre coule dessous. Là, c'est difficile à montrer, mais l'encre est passée à travers. Et maintenant, ben là, je viendrai saupoudrer ma poudre à embosser. Je ferai chauffer. Ce qui va donner ceci ici. Donc là, je vous montre les deux couleurs. Pardon. Alors, si on va dans le blanc, ça va faire l'effet de résiste. Donc, le blanc va résister la couleur qu'on va vaporiser. Mais on ne verra pas la couleur qu'on a mis en dessous, bien évidemment. Tandis que si on va avec une couleur, avec la poudre embossée transparente, mais la couleur qu'on a mis en dessous, on va pouvoir la voir même après avoir vaporisé une couleur plus foncée. Donc, je vais venir prendre, bon, disons, le vert ici. Peu importe, c'est pour la démonstration. Et je viens vaporiser tout simplement par-dessus. Je vais mettre un peu de bleu. Voilà. Donc là, j'en ai mis vraiment beaucoup. J'attends quelques instants que la couleur soit absorbée. Et je vais commencer par venir éponger le surplus. J'y suis encore une fois. Je vais juste nettoyer comme il faut. Parce que comme je vous disais, ce sont des vaporisateurs très, très, très pigmentés. Donc la couleur, vous en avez longtemps. Vous allez voir tantôt quand on va faire la technique aussi avec les aquarelles, combien ça en prend peu. Et là, je vais venir délicatement essuyer. Je peux même rajouter un petit peu d'eau sur le bout. Il faut vraiment bien venir nettoyer mes endroits qui sont embossés. Donc là, ici, on vient retrouver la couleur qui était en dessous. Comme ceci. Et c'est tout. Donc, on voit très bien ici, bon, le blanc très éclatant. On ne voit plus le rose qui était en dessous, mais on voit très bien qu'il a résisté le vaporisateur. Et ici en haut, ben là, on voit le rose qui était sous la poudre embossée. Maintenant, on va venir, on voit le mauve, ben pardon, le mauve, le vert, le bleu qu'on a rajouté qui fait le contour. Donc, c'est très intéressant, hyper simple. Puis moi, sur ma page, ben, j'étais tout simplement venue ajouter des petits mots que j'ai ajoutés par la suite avec de l'Archival Ink noir et les étampes de l'ensemble. Donc, je remets le tout à l'intérieur. Et je vais poursuivre ici. Là, je ne peux pas l'enlever parce que je l'ai collé. Dans le fond, c'est tout simplement pour vous montrer que, ben, on peut colorer de façon toute simple notre papier vélin. Donc, en plus, nous, dans notre kit, ben, on a un beau papier vélin avec un motif qui est déjà embossé. Ben, pas embossé, mais imprimé dessus. Donc, je vais venir sur l'envers. Je ne vais pas prendre le côté qui est avec la finition dorée. Je vais venir à l'arrière. Encore une fois, je vais aller avec un peu de bleu et un peu de vert. La même chose, je laisse le papier le temps d'absorber un peu la couleur. Je n'y suis pas tout de suite parce que c'est sûr que le papier vélin, lui, n'absorbera pas toute la couleur. Il n'est pas assez perméable. Donc, j'ai attendu un peu. Je viens en enlever en tapotant comme ceci. Je vais nettoyer encore. Comme ça. Donc, c'est sûr que là, je pourrais le faire sécher. Oups, pardon. Voilà. Donc, si je voulais que ça soit plus foncé, je pourrais à ce moment-là revenir faire une deuxième couche. Donc, au lieu d'essayer de faire une seule couche très, très foncée, je vais venir faire deux couches superposées qui, elles, vont me donner un résultat plus foncé. Donc, c'est tout, c'est déjà sec. Donc, on peut voir, il y a certains endroits, il y a des petites gouttelettes qui se sont formées. Et ça nous fait un très beau papier coloré. Voilà. Donc, je vais juste me prendre une petite lingette mouillée pour bien nettoyer
ma surface. Donc ça, c'est tout seulement une petite idée. Une autre façon de toujours avec le même papier vélin qu'on a dans notre ensemble, de venir l'utiliser de façon colorée cette fois. Voilà. Alors, on poursuit. Je vais vous montrer la bande ici, pardon, la bande où est-ce que j'ai écrit Cinépark. Donc, encore là, c'est toujours le même concept de masque, si je veux dire. Dans le sens qu'on va utiliser nos lettres. Là, je vais écrire aujourd'hui... je vais écrire « mot ». Donc là, il n'y a pas... c'est pas une grande science, c'est juste une petite idée. C'est toujours, dans le fond, d'utiliser au maximum notre matériel. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas toujours mettre dans tout notre album nos lettres en les ayant juste en brume. Donc, en venant vaporiser, bien, j'utilise la même forme de lettres. Et ça va donner un résultat différent dans mon album. Et je le fais aujourd'hui avec des lettres, mais je pourrais utiliser n'importe quel autocollant que j'ai à la maison. Je pourrais également me découper des mots à la silhouette, des formes à la silhouette et faire la même chose. Un petit peu d'adhésif léger derrière ou un adhésif repositionnable. Et je le colle sur ma surface et le tour est joué. Puis même que dans le fond, mes lettres sont encore collantes, je pourrais même les réutiliser sur un autre projet, sur une autre page, sans problème. Donc, c'est tout. Tout ce que je veux vous montrer, dans le fond, c'est que des fois, on se casse la tête à faire plein de techniques compliquées, puis des fois, juste des petites idées simples, ça peut nous donner des super beaux résultats. Donc, moi, ce que j'avais fait ici, bien, j'avais pris le temps d'écrire ciné avec mes grosses lettres, et j'avais écrit parc avec les plus petites lettres de l'ensemble. Puis j'avais fait un dégradé de couleurs, donc j'avais pris du bleu et du orangé, donc ça fait une espèce de vert entre les deux. Puis c'était super drôle parce que j'avais une grosse goutte qui est tombée et ça tombait exactement au-dessus de mon i, donc ça a fait un point pour mon i. C'était pas du tout prévu, mais c'était un très très beau hasard. Puis maintenant, on va terminer avec la technique un petit peu. C'est pas plus élaboré, c'est dans le fond plusieurs techniques superposées. Donc, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Alors, c'est vraiment tout collé ensemble. C'est vraiment beaucoup d'épaisseur. Là, on va aller travailler avec le papier aquarelle parce qu'on va venir ajouter de l'eau à notre vaporisateur, pardon. Donc, en fait, c'est 5 morceaux que j'ai collé un par-dessus l'autre. Et là, vous voyez, bon, je suis allée avec un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur chacun des cartons, j'ai fait un lavis. Donc, c'est la couleur du vaporisateur mélangée avec de l'eau. Puis, par la suite, sur chacun, je suis venue faire une petite touche décorative différente. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer pour, en premier lieu, le lavis. Ensuite, je vais vous montrer les petites techniques. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de l'eau. Je l'avais oublié, mais ça me prend une petite palette. Ça va mieux pour... On pourrait le mélanger directement, mais vu que c'est très liquide, c'est plus facile dans une palette avec des petits godets. Puis, là, on va ouvrir notre pot. Quand je vous dis que ça n'en prend pas beaucoup, là, c'est que quelques gouttes. On pourrait venir verser. J'ai toujours peur d'en mettre trop. Alors, j'en fais tomber 2 gouttes. Je vais venir prendre un pinceau pour faire des lavis. Des lavis, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est de la coloration du fond du papier avec une couleur. C'est une technique classique dans l'aquarelle. Donc, je viens le mélanger. Là, je vais venir prendre mon carton. On va réutiliser celui-là. Et là, je viens coucher la couleur. Donc, vous voyez, c'est quand même assez prononcé. Puis j'ai utilisé que 2 gouttes de couleur dans mon eau. Là, évidemment, si je voulais l'avoir
si je voulais faire un dégradé, ben, je pourrais rajouter de l'eau dans mon godet. Et je viendrai continuer. Je pense que ça va en prendre plus. Donc là, l'eau est pratiquement transparente. Puis je peux même venir rajouter juste de l'eau pour compléter. Donc je pourrais le faire tout de la même couleur ou je pourrais venir le faire en dégradé, dépendamment de ce que vous voulez. Mais c'est la même chose pour toutes les couleurs que j'ai utilisées. J'ai fait un lavis de chaque couleur. Donc j'ai fait un carton bleu, un carton vert, un carton jaune, un orange et un rouge. Tout avec la même technique. Donc un petit peu d'eau dans mon godet, quelques gouttes du vaporisateur et j'ai appliqué sur mon carton. Donc je vais en faire un bleu pour ma démonstration, puis on va en faire un vert pour avoir assez de place pour vous montrer toutes les petites techniques, les petites idées que j'ai eues pour décorer mon fond. Alors, je vais rincer mon pinceau. Alors, même chose. On aurait pu aussi, pour faciliter l'application, on peut venir mouiller notre papier avant de commencer le lavis. Ça aide à faire couler la couleur, vous voyez. La couleur, elle se mélange presque toute seule. Elle s'étale elle-même. Voilà. C'est tout. On a terminé nos lavis. Je vais essuyer en dessous. Je vais juste faire un petit coup de séchoir. Pendant ce temps-là, ensuite, là, je vais essayer de vous montrer. C'est un peu difficile à voir parce qu'il ne reste plus beaucoup d'espace visible. Mais dans mon bleu, il y a comme un petit dessin, petit motif un peu plus foncé. Alors, c'est pas très compliqué. Ce que j'ai utilisé, en fait, c'est le bouchon de ma bouteille. Je m'en suis servi comme d'une étampe. Donc, il n'y a rien ici. Toutes les petites techniques que je vais vous montrer, c'est tout avec du matériel que vous avez, je suis certaine. Donc, rien de bien, bien, bien compliqué. Bon, alors, mon bleu est sec. Voilà. Ce que je vais vous montrer avant que mon verre soit complètement sec. Je vais vous montrer sur mon carton. Encore une fois, c'est un peu dur à voir sur mon verre ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des endroits que c'est plus pâle. Comment j'ai fait pour faire ça? Alors, j'ai pris mon carton encore humide, donc ma peinture n'est pas sèche. Et c'est là qu'on va venir utiliser notre papier brouillon dont je vous parlais dans le matériel au début. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue poinçonner avec mon poinçon. Là, ici, j'ai pris des cercles. Vous prenez la forme que vous voulez. Donc, je suis venue poinçonner des petits cercles. Et sur ma peinture encore mouillée, je viens les écraser, si on veut, dans la peinture. Et qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va absorber la couleur qui est en dessous en séchant. Et ça va nous laisser un effet, je dirais, fantôme. Donc, il va rester un peu de couleur, mais ça va être plus pâle. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Là, c'est sûr qu'on pourrait essayer de sécher, mais qu'est-ce qui va arriver en séchant? Bien, c'est que les petits papiers vont vouloir s'envoler. Donc, l'idéal, c'est de laisser les papiers dessus sécher à l'air libre. Pendant que ça sèche, on va continuer nos autres techniques, puis on y reviendra avant la fin. Donc, on revient à notre papier bleu. Pour faire l'étampe, je vais venir faire une vaporisation sur ma feuille. Et là, à l'aide de mon bouchon, je viens frotter l'encre, dans le fond, le liquide, pour en mettre
partout sur le rebord et tout simplement, je viens étamper dans un motif aléatoire et voilà. Donc, je me crée un motif tout simplement avec la même couleur. Là, j'ai tout fait des tons sur tons parce que moi, je voulais garder encore mon effet arc-en-ciel. Donc, c'est tout. Vous pourriez utiliser différents bouchons que vous avez sur votre table de travail, d'autres vaporisateurs, des bouchons, des pots de peinture. Je pourrais dévisser mon bouchon ici, venir me faire des plus gros cercles à mon choix. Mais c'est toujours le même principe. Je mets mon liquide sur ma table, je frotte pour que je puisse étamper. Donc, c'était cette technique-là. On va passer à la troisième technique ici, qui est en jaune. Donc, pour faire les petites gouttelettes, bien là, il y a plusieurs techniques. Il y a de tout simplement tapoter sur la petite tige qui va dans la bouteille. Donc, ça nous fait des gouttelettes, tout simplement. Ou sinon, bien, on pourrait toujours venir prendre notre pinceau comme on a à l'habitude, qu'on fait l'habitude. Et bien sûr, moi, je ne mets pas mes pinceaux mouillés dans mes bouteilles, mais ça, c'est moi. Je sais qu'il y en a qui le font. Donc, mon pinceau directement dedans. Et là, je pourrais faire des plus grosses gouttelettes. Et je pourrais même revenir prendre les couleurs qu'on avait mélangées. Je pourrais prendre le vert. Et là, ça me fait des gouttelettes un peu plus transparentes, si on veut. Donc, encore une fois, rien de sorcier, rien de bien compliqué. Juste des petits dessins pour utiliser notre matériel au maximum. Ensuite, bon, on a fait nos étampes, on a fait notre technique fantôme, nos gouttelettes. Ensuite, ben, c'est pas plus compliqué. Je pense que c'est la façon dont on utilise nos vaporisateurs le plus souvent. C'est tout simplement, bon, c'était pas sec en dessous, on attend que ça soit sec. C'est de venir vaporiser du ton sur ton, dans le fond. Donc, dans le sens que j'ai mis du bleu en dessous, ben, je vais venir vaporiser, mais cette fois-ci avec la couleur pure. Très, très délicatement, parce que je vous rappelle tantôt que le papier aquarelle n'absorbe pas très bien la couleur pure. Donc, j'en mets légèrement, juste pour voir le motif. Donc ça, vous avez tous déjà fait ça. Mais dans le fond, des fois, c'est juste bon de se le faire rappeler. Et la dernière petite idée que je voulais vous montrer, ben, c'est celle-là ici. Bon, je suis encore revenue sur la page avec les silks. On avait fait des petites gouttelettes. Ben, ici, j'ai fait mon motif fétiche, je dirais, qui sont les cœurs. Donc, je vais revenir, c'est la même chose. Là, on va venir se mettre quelques gouttes de couleur. On pourrait directement tremper encore une fois dans le pot. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je suis un peu gaffeuse, donc en général, j'évite de laisser les pots ouverts comme ça sur la table. Sinon, on peut en verser un peu dans nos godets. Et bien, c'est tout simplement de venir faire des petits motifs. On pourrait même venir écrire un mot. Si on se sent courageux, on peut venir écrire un mot. Alors là, c'est là qu'on sort nos talents d'artiste. Donc, on peut prendre un pinceau plus gros, plus petit, dépendamment des motifs qu'on veut faire. Mais c'est tout simple. Dans le fond, les vaporisateurs, c'est juste pour montrer que c'est comme une aquarelle déjà prête à l'emploi, déjà liquide, qu'habituellement on utilise avec nos pochoirs ou tout simplement directement sur la page, mais que dans le fond on peut l'utiliser de différentes façons. Et c'est tout! On vient de faire toutes nos techniques, donc nos étampes, nos gouttelettes à travers un pochoir, des dessins. Et si on revient à notre petite feuille verte maintenant, là, elle n'est pas complètement sèche encore. Mais si on prend le temps de les enlever,
Là, si on lui avait laissé plus de temps, il y aurait encore plus de couleurs qui auraient été absorbées. Et ce qui est le fun, c'est qu'on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va arriver parce qu'on ne sait pas quelle partie du papier touche complètement. Donc, voilà. Donc, on a qui touchait seulement au centre, d'autres qui touchaient presque au complet. Il y a même des endroits où j'ai fait des petites traces de doigts. Donc, ça nous fait juste un beau motif. Et ce qu'on pourrait faire aussi, si on veut. Là, ici, c'est sûr, moi, je suis restée dans mon dégradé ton sur ton. Mais on pourrait venir faire sur une page un peu plus mix média. On pourrait venir entourer nos impressions fantômes d'un trait. Non, ben là, je suis dans le noir. On pourrait prendre d'autres couleurs aussi. Mais pour les mettre en relief, pour les mettre en évidence. Donc, c'était la technique fantôme. Je vais me faire un petit peu de ménage et on va faire un retour maintenant sur les pages pour montrer qu'est-ce que j'ai fait comme élément décoratif pour la mise en page. Donc, je mets ça de côté. Je ramène mon album. Et comme vous pouvez voir, j'ai encore triché. C'était une pochette avec une grande bande sur le côté et deux 4 par 4. Moi, je suis allée. J'ai gardé mes photos dans le fond 4 par 6, alors j'ai triché. Parce que je savais pas. J'avais pas envie de couper ma photo. Donc, j'ai décidé de tricher. Alors, comme ça. Alors, si on revient ici à la première. Ben c'est la même chose, j'ai pris, comme la page que j'avais faite précédemment, j'ai pris des éléments plus gros que j'ai coupés en deux par deux. Donc, dans le fond, mes trois carreaux en bas, en haut et mes trois carreaux en bas ben, proviennent de la même feuille qui avait 4 par 6. J'ai tout fait le motif d'un seul coup avec mon embossage et tout. Puis ensuite, je suis venue découper en carré de deux par deux. J'en ai mis trois en bas, trois en haut. Comme j'avais dit, j'avais étampé des mots avec l'encre Archival, pardon, et les étampes du kit. Ensuite, bien, je suis venue tout simplement en dessous, dans le fond, les quatre carreaux restants, je suis venue mettre des petits carreaux de papier à motif. Je suis venue mettre, j'en ai mis en dessous également, je suis venue mettre un morceau de mon papier vélin, un cercle que j'ai découpé au poinçon. Ici, c'est une petite découpe que j'avais d'un ensemble de découpes que j'ai pris parce que c'était la fête de mon garçon. Donc, j'ai ajouté ça comme élément décoratif. Ici, c'est un 5 que j'ai découpé à la silhouette. Puis, sur lequel, pardon, je suis venue mettre différentes gouttelettes. Donc, vaporisation bleue, verte et rouge. Donc, rien, rien, rien de compliqué ici. Ah, puis ici en bas, ben, c'est une petite date. J'ai utilisé les temples étiquette ainsi que le mot date de l'ensemble des temples. Je suis venue écrire en rouge et j'ai ajouté une petite étoile qui est aussi dans l'ensemble des temples que j'ai tampée avec une couleur coordonnée au bleu que j'avais choisi. De l'autre côté, bien, en haut, c'est simple. C'est ma photo tout simplement. Encore là, c'est une découpe que j'avais dans mon matériel. C'est un cercle que j'ai coupé en deux. Je suis venue indiquer la date et j'ai rajouté la même petite étoile que sur l'autre page. Avec deux petits points que j'ai moi-même dessinés avec un crayon noir. Puis en bas, ben là, on a beaucoup vu. Donc, j'ai commencé par faire mon fond 4 par 6. Je suis venue coller mes bandelettes une par-dessus l'autre. Et entre chacune des bandelettes, je suis venue coller. J'ai trouvé un morceau de papier à motif qui était coordonné à la couleur que j'avais choisie. Et j'ai sorti mes vieux ciseaux déco. Donc, c'était le motif dentelé. Je trouvais que ça ajoutait une petite touche un peu rigolote à mon fond. Ensuite, je suis venue mettre la bande où est-ce que c'était écrit Cinépark. J'ai ajouté une étampe de ruban, justement, de bobine de fil avec un des badges de l'ensemble. Donc, celle-là, c'est Nuit d'été. Puis, pour terminer, ben, tout simplement, j'ai écrit mon texte à la main sur du papier basil blanc. Je suis venue découper des bandelettes que j'ai collées sur mon fond 4 par 6. Donc, ça termine notre semaine sur les encres Mr. Hueys. J'espère que vous avez trouvé des petites techniques intéressantes que vous allez pouvoir essayer. Comme les autres semaines, on n'oublie pas d'aller sur le blog, sur le forum. Sur le forum, évidemment, je mets des photos des pages.
Vous pouvez me poser des questions, commenter. Surtout, 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 je veux que vous partagiez vos projets avec moi. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire des pages de style Project Life. Ça peut être des pages 12 par 12, différentes tailles. Ça peut être des cartes. Ça peut être sur un canevas. C'est à votre choix. Mais je veux que vous partagiez. J'aime ça voir ce que vous faites, comment vous interprétez les techniques que je vous montre. Puis nous, sinon, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va travailler avec les encres, les peintures acryliques. Plus particulièrement, on va travailler avec celle de Dina Wakely. Donc, je vous attends à mardi prochain. J'ai bien hâte de vous voir. À la semaine prochaine!